Question d'aujourd'hui, c'est à partir, est-ce que les enfants moins de bar mitzvah, est-ce qu'ils ont le droit de jeûner les char taniyot, l'arba taniyot, comme aujourd'hui le jeûne de 17 Tammuz? La réponse, c'est marqué dans le Shulchan Aruch qu'on commence à être mehanech lo katan, à jeûner uniquement dans le tsaum de Yom Kippour qui est min haTorah. Tous les autres jeûnes, le katan, il n'y a pas un inyan qui doit jeûner, même s'il a 12 ans, même s'il a avant la bar mitzvah très proche. Il n'y a pas un inyan de jeûner. C'est qu'à partir de la bar mitzvah. Maintenant, ce qu'on sait en général à Kippour, c'est bien on commence à lui faire faire Ta'anit Sha'ot. Ça veut dire quoi? Shulchan Aruch, il dit qu'on le fait manger 1 heure plus tard que d'habitude. Si il a l'habitude de manger à 9h ou 8h, on le fait manger 1 heure après. S'il est encore un peu, s'il est plus en bonne santé, on peut le faire manger même 2 heures après. Alors, il y en a qui disent que les autres Ta'aniyot, c'est bien quand même quand il est à l'âge de proche de la bar mitzvah, c'est bien de commencer à lui faire faire Ta'anit Sha'ot si il en est capable. Ça veut dire de manger 1 heure après que d'habitude. Maintenant, d'après tout le monde, on n'a pas le droit de donner à un katan, à un enfant, de manger des maradanim, de manger des choses qui, c'est des plaisirs. On va prendre des bonbons, on va prendre un chocolat, une glace, tout ça, il ne faut pas être poresh min hatzibour. Dès qu'il a l'âge de 10 ans, déjà, ça, on commence à l'habituer de ne pas lui donner des choses comme ça, qu'il mange normalement ce qu'il a l'habitude de manger, mais pas des choses que c'est des plaisirs. Ça, c'est pour la halakhot du katan, le jour du Ta'anit. Deuxième point, dans Birkat Kohanim, le jour du Ta'anit, c'est marqué dans le Shulchan Aruch que toute l'année à Mincha, on ne fait pas Birkat Kohanim. Pourquoi? Mishum Shichrut. Un homme, il a pris sa seruda et peut-être qu'il a bu un peu de vin. Et le Kohen qui est Shikor, il n'a pas le droit de faire Birkat Kohanim. Donc c'est pour ça qu'on ne fait pas Birkat Kohanim à Mincha. Et même Mincha de Yom HaKippourim, on ne fait pas Nisiut Kapayim, on ne fait pas Birkat Kohanim. Pourquoi? Parce que on peut se tromper, on peut arriver à dire comme on a fait Yom Kippour, on risque de faire les autres jours. Donc c'est pour ça qu'on ne fait pas même à Mincha de Yom HaKippourim. Que Ne'ilah, que là comme on l'a fait, comme Ne'ilah de toute façon c'est une tfila qu'on fait que à Yom Kippour, donc on ne risque pas de se tromper. Maintenant, pour le Mincha des Zotaniot, alors dans le Shulchan Aruch c'est écrit que si on l'a fait samour la erev, c'est-à-dire si on commence Mincha par exemple 40 minutes, on commence à faire Kaddish 40 minutes avant la Shkira, donc on va arriver dans les 30 minutes avant la Shkira pour faire Birkat Kohanim. Dans ce cas-là, comme c'est pas comme d'habitude, parce qu'en général on prie Mincha plus tôt, là comme c'est spécial, on fait Mincha samour la Shkira, on pourra faire Birkat Kohanim. Maintenant, d'après notre minhag, qu'on ne fait pas Birkat Kohanim le hol, alors on dira Elokeinu Elokei Avotenu à partir de Mincha Ktana. Dès que ça arrive l'heure de Mincha Ktana, que ça ramené dans Geoulé Kouna, du fils de Rabbi Chalfon, Rabbi Shalom, qu'on peut faire, on dit Elokeinu Elokei Avotenu à partir de l'heure de Mincha Ktana. Maintenant, dans la halakha de Elokeinu Elokei Avotenu, il faut faire attention quand on. Toute l'année, on parle. Hein, il faut faire attention comment on fait les virgules. Il ne faut pas dire Barachenu, Baberacha, Mshuleshet Batorah. Il faut faire Barachenu, Baberacha, Mshuleshet. Pourquoi? Que si on dit Amshuleshet Batorah, c'est machma que la Birkat Kohanim a été dit 3 fois dans la Torah. Elle n'a pas été dit 3 fois, elle a été dit une seule fois. Comment il faut faire? Barachenu Babaracha Amshuleshet. La bracha qui a 3 psukim. Dans Birkat Kohanim, il y a 3 psukim. Maintenant, Batorah qui est ouvert de Moshe Rabbeinu, ce qui est écrit dans la Torah. Birkat Kohanim, elle a été écrite dans la Torah. C'est un dernier point. C'est marqué dans le Mishnah Berurah que deux jours du Ta'anit, il faut savoir le haïkar du Ta'anit, c'est que ça nous rabaisse notre cœur. Ça fait qu'on pense plus à la tchouva quand quelqu'un il est bêta'anit, il ressent plus les choses. Donc c'est ça le haïkar du ta'anit, de chercher à comment être mefashpesh bitchouva.